Les aveugles vont en ce nom les presses en vue, en ce nom les battent marcher, ce nom c'est Jésus. Il nous a donné la vie, il nous a donné son sang, il est bon, il nous a
donné le pouvoir. Il est bon. Il nous a donné l'assurance. Il est bon. Il nous a donné l'espoir. Il est bon. Il nous a donné la victoire. Il est bon. Il nous a donné le salut. Il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Shalom, 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 peuple de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes bel et bien à Marion. Frères et sœurs, vraiment, que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous sommes là ce soir pour te dire quelque chose. Nous sommes là ce soir, nous avons un message particulier pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui m'entend. Nous sommes venus ce soir pour te dire que les temps sont finis, que Jésus revient, que ton Dieu est à la porte. Nous sommes venus te dire ce soir que les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Nous sommes venus te dire, donc habille à Jésus. On est venus te dire ce soir, donc habille à Jésus. Les temps sont finis. Quand on dit les temps sont finis, en bon français, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus près de temps. Les temps sont comptés. Les minutes sont comptées. Il n'y a plus de temps à perdre. Je suis venu te dire ce soir, donc habille à Jésus. Pour toi qui ne le connais pas, pour toi qui n'as jamais rencontré, pour toi qui n'as jamais entendu parler de lui, pour toi même qui ne sais même pas qu'il existe, je vais te dire ce soir que Dieu existe, qu'il est vivant. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Dieu regarde et te dit que le temps est fini. Reviens-toi, donne ta vie à Jésus. Si tu ne connais pas, lui il te connaît. Depuis dans le ciel de ta mère, il te connaissait. Il sait comment tes parents vont te donner. Il sait comment tu allais sortir. Il sait si tu allais sortir famille ou garçon. Jésus sait. C'est pourquoi nous t'envoie ce soir pour te dire que le temps l'un ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps que tu portes, les limites que tu portes, ça ne t'appartient pas. C'est pour lui. Dieu n'est pas venu te dire que le temps soit fini. Repends-toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne le connais pas, peut-être que tu le connais. Tu as entendu parler de son nom. Tu sais que Dieu existe. Tu sais qu'il s'appelle Jésus. Tu sais qu'il est Dieu. Tu sais qu'il a un. Mais tu ne connais pas son nom. Tu ne connais pas son importance. Tu ne connais pas son efficacité. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas quel plan il a pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il veut pour toi. Il te dit ce soir que le temps soit fini. Donne ta vie à Jésus. Réponds-toi. Si tu es dans le feu, si tu es dans le feu, quand je vis dans le feu, quand je vis dans le feu, tu peux être à l'église et puis ne pas connaître Jésus. Tu peux être à l'église et puis ne pas être chrétienne. Tu peux partir à l'église parce que tes camarades jeûnent, parce que le dimanche n'a rien à faire. Tu peux aller faire ton temps à l'église. Tu peux aller faire plaisir les saints. Tu peux aller faire plaisir les pauvres. Même partir les même chauffer les chaises, mais tu peux ne pas savoir qui est Jésus, qui est
est Jésus, ou si vous t'écoutez ce soir, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. La terre sur laquelle tu marches, c'est lui qui a créé ça. Le ciel qui est en haut de toi, c'est lui qui a créé ça. Le chien qui est en toi, c'est lui qui a mis ça en toi. Donne ta vie à Jésus. Si il ne peut que suivre ça, tu ne pourras plus faire de l'activité, tu ne pourras plus te promener, tu ne pourras plus de temps, tu seras obligé. Même tes maris, même tes enfants, ne pourront rien faire. Lui de nous te dit ce soir, le chien que tu as, les deux pieds que tu tiens, tu marches avec, c'est lui qui a mis ça sur toi. Les temps sont finis, il n'y a plus trop de temps. Il a la porte, il a la porte, il a la porte, il a la porte. Quand on dit que tu as la porte, quand on dit que tu as la porte, quand on dit que tu trouves en même temps, il reste, c'est de mal, il n'est pas lié. Quand on dit à la porte, ça veut dire que tu ouvres seulement légèrement la porte, tu seras qui est là. Ouvre ton cœur, et si on te dit ce soir, Jésus a besoin de toi. Jésus vous aime. Il a besoin de toi, Jésus t'aime. Mon frère, mon cher, je vous aime. Je vous aime, Jésus. Il dit tiens, tu es passionné, tu es sa fille, tu es bien, tu es dans les difficultés. Après toi, tu te cherches, mais tu te cherches sans Jésus. Ça va pas pour la grande chose. Tant que tu ne fais pas Jésus, tant que tu ne sais pas la volonté de ton père, tant que tu n'es pas dans le plan de ton Dieu, tant que tu n'es pas dans la maison de ton père, rien ne va bouger, rien ne va avancer. Il te dit de tout ce soir, que reviens ta vie, reviens dans Jésus. Toi, tu l'avais connu, et puis tu es découragé, et puis tu as regardé, et puis tu es sorti de sa maison, et puis tu as rien, reviens dans Jésus. Il a besoin de toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien aimé, le Seigneur te dit ce soir que l'enfer existe. Le ciel existe. Le ciel est fini. Après demain, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Parce que lorsque tu couches avec quelqu'un qui a une femme, c'est un péché devant Dieu. C'est un problème. Le Seigneur te dit ce soir Christ a besoin de toi. Toi, tu es garçon. Toi, tu es garçon. Tu es mort. Il faut que passer, mais où il a-tu? Quand tu vas passer, tu vas aller où? Pourquoi tu vas mourir, tu vas aller où? Mais toi tu es allé, cherche à sauver ton âme, donne ta vie à Jésus, en sauvant ton âme, c'est lorsque tu vas venir à Jésus, lorsque tu vas te laisser, lorsque tu vas laisser la dépouille, la paix, tu as tout abandonné, et tu vas servir la main de ton Dieu. C'est ce moment-là que Christ va essuyer tes âmes. Si c'est de l'argent, celui qui a l'argent, c'est Jésus. Dieu, s'il a créé la terre, s'il a créé la terre, s'il a créé le ciel et la terre, s'il a mis le souffle de vie en toi, il connaît tes besoins, il connaît tes problèmes. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu, tu n'es pas plus fort que lui, tu ne réfléchis pas trop que lui, lui il réfléchit que toi. L'intelligence que tu dis tu as là, c'est lui qui a proposé ça en toi. Donc notre vie dans ce temps, lorsque tu as marché sur sa volonté, lorsque tu as te déprimé, tu es là, tu as mèche, tu as fossile. Tu as les habits, maintenant, dans cette ta petite chair, tu es coincé dedans. Bien aimé, donne ta vie à Jésus. Une femme que tu as créée, tu dois t'appuyer puissamment. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas pour les tatouages. Ton corps n'est pas pour les tatouages. Tu as tatoué tout ton corps. Tu as tatoué tout ton corps. Alors, ma femme, pas te regarder. Pour moi, j'en ai pas pour lui. Tatouage, j'en ai pas pour lui. Ma soeur, si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir, à l'essai où je parle, à l'essai où je parle, où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Lorsque tu as un homme ce soir, où iras-tu? Mais maintenant, ça ne convient plus. Même Michel te conduit à la mort. Même Paris te conduit à la mort. Petit Michel, de toi, te fournir légèrement. Tu es mort. Donne ta vie à Jésus. Répondez-vous. Répondez-toi. Répondez-vous. Tu es une femme. Habite-toi de sa main. Tu es une femme. Habite-toi de sa main. Parce qu'elle n'est pas pour toi. Parce qu'elle n'est pas pour toi. Parce que c'est pour des hommes. C'est pour des hommes. Les hommes sont faits pour se mettre en pantalon. Toi, tu portes pantalon. Ton mari porte pantalon. Qui commence? Qui commence? Répondez-vous. C'est toi qui es l'homme. Vous te dites à Dieu de la même manière, tu vas dire que tu vas t'écouter. Il y a des choses qui pourraient me faire dans la maison d'un enfant de Dieu. Si toi tu te dis, toi t'as donné ta vie à Jésus, revois ton habillement. Qui dit que revois tes signes, revois ton habillement. Tu peux t'habiller, il y a des habillements de femmes. Regardez autant de nos parents d'enfants, regardez comment ils s'habillent. Regardez l'habillement, il n'y avait pas de problème. Tout était bien. Mais regarde, on est à la mode, on est dans le temps. Regarde ce que la mode fait pour nous. Les temps sont finis. On a vu dans la mort jusqu'à là, les temps sont finis maintenant. Les temps sont finis. Les temps sont finis maintenant. Répondez-vous. Dieu dit les temps sont finis. Tu es encore dans la mort. Sur la sorte qui est dedans. Il y a la sorte qui est là-bas. Il
nous sommes de la nuit, mais tu vas faire, mais tu ne peux pas marcher. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé de te coincer? Après que toi-même tu as fait sa commande, ça ne te dit rien, tu es dedans. Bien, mais est-ce que après au pire de te demander? Est-ce que après au pire de te marche comme ça? Le besoin de ça. C'est moi, il s'est payé, c'est toi qui m'a payé. C'est moi, je dois commander à Bill. C'est moi, je dis, on va ici. Et puis la Bible me suit. Maintenant, je suis. C'est moi, c'est moi qui suis à Bill. C'est moi, je suis ça. Je ne veux pas de toi. Moi-même, c'est ça. Regardez là. C'est la vie que tu as pris, ça te commande. Et puis tu es pas quoi avec. Tu suis ça. Tu as mis ceci. Toi, tu fais quoi? Quand Dieu t'a créé, il n'a pas donné les signes. Dieu a mis les signes sur toi. Il n'a rien de plus sur toi. Lorsqu'il t'a envoyé dans le ciel de ta mère, il a tout mis sur toi. Il a mis ton nez. Il a mis ta bouche. Tu n'as pas mis toutes ces choses-là. Est-ce que toi tu peux mettre? Est-ce que toi tu peux créer ta bouche? Est-ce que toi tu peux mettre ton nez? Est-ce que toi tu peux mettre les doigts? Mais quand Dieu t'a créé, il a tout mis sur toi. Mais toi tu es venu. Tu es intelligent. Tu contredis Dieu. Tu as fait faux homme. Tu as fait faux signe. Toi seul, tu as tous ces esprits-là. Tu as faux signe. Tu as mèche. Tu as pommade. Tout ça. Tu as tout mis en toi. Christ a tout donné. Ce soir, il vient dans Jésus. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir. Toi, ne t'attends pas seul. On dit possible. Si vous dites que ce n'est pas le vrai, c'est le faux. Mais tu dis ça quand même. Pourquoi toi, tu as le vrai sur toi? Tu as ce qui est naturel sur toi. Tu as enlevé ça. Et puis, tu as même criant. Tu dis non, ça, tu as mal fait ça. Donc c'est moi le tatouage que j'aime pas. C'est ça qui est bien. Et puis tu mets le tatouage. Et puis quand on te voit de lui, on donne une sorcière. Quand tu te regardes, tu dis non, moi même je suis très joli. Christ te dit ce soir, réponds-toi. Parce que si tu mets dans ça, si tu mets dans ce maquillage, si tu mets dans ce fausses, si tu mets dans ce tatouage, si tu mets dans ce vieux langage, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. Bien aimé, je ne peux pas te plaquer. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te perdre ce soir. Je ne peux pas te dire quelque chose. Donc, ta fille à Jésus, réponds-toi. Laisse les choses de ce monde. Laisse le maquillage. Laisse les fausses. Laisse les tatouages. Laisse les pommades. Mais regarde, quand tu te pommades, est-ce que ton teint est uniforme? Est-ce que ton teint est même chose? Quand tu regardes ta peau, est-ce que c'est même chose? Toi seul, tu as tout la partie sur toi seul. Et puis tu es content de ça. Tu es content de ça. Tu dis non, ici, si ça n'a pas pu te donner, ça va prendre. Et puis tu es dessus. Toi-même, tu as honte de ta peau. Tu dis le petit, tu dis l'homme pour pouvoir s'aimer. Est-ce que tu es obligé de souffrir? Est-ce que tu es obligé de souffrir? Est-ce que tu es obligé de te mettre comme ça? Est-ce que tu es obligé d'être malheureux? Comment va te commander? Comment te commande? Comment ça va faire toi? Tu prends l'autre. Comment ça va faire toi? Tu prends le toi-même ton âge que tu peux bénir ça te demande. Et puis tu es dedans. Répandez-vous. Est-ce que tu es obligé? Tu cherches à plaire à qui? Répandez-vous. Tu cherches à faire plaisir à qui? Répandez-vous. Garçon, même que tu fais tout pour lui, il peut te laisser aujourd'hui. Répandez-toi. Il peut te laisser tout le souffle même. Même si la mort venait frapper, le garçon, elle va rester petit tombant. Tu es la colère de Dieu. Bien aimé. Répandez-toi. Tu es la colère de Dieu. Tu es la colère de Dieu. Donne ta vie à Jésus. On n'est pas en train de te plaquer. Les temps sont finis. On n'est pas en train de te plaquer. On n'est pas en train de te distraire. On veut te dire que les temps sont finis. Jésus dit, on est quand laisser toutes ces choses, toutes ces choses-là, elles font partie du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passages dans ce monde. Nous sommes les étrangers ici. Ici, ce n'est pas chez nous. Ici, ce n'est pas chez nous. Regardez les gens qui meurent. Ils laissent leur maison. Ils laissent leur voiture. Pourquoi ils ne font pas avec? Pourquoi lorsque tu meurs, tu prends ta maison pour partir? Pourquoi lorsque tu meurs, tu prends ta maison, ta voiture pour partir? C'est qu'il s'est succédé. Alors, c'est pour dire que nous sommes étrangers ici. Ici, là, ce n'est pas chez nous. On est venu se promener. On est venu pour un but précis. On est venu servir l'Éternel. On est venu servir Jésus. On est venu parler de lui. On est venu pour le louer. On est venu pour l'adorer. On est venu pour s'occuper nos frères, nos soeurs, pour donner la vie à Jésus. C'est pourquoi tu es là. Si tu vis, c'est pour servir Jésus. Si tu vis, c'est pour que tu reviens à Jésus. Si tu vis, c'est pour que tu te répands. Si tu vis, c'est pour que tu laisses toutes ces choses-là. Abandonne le monde. Sinon, tu ne mérites rien. Tu n'as rien payé. Il s'est crucifié pour toi. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? On dit bien Dieu. On dit bien Dieu. Qui peut le parler? Qui peut le contenir? Qui peut le mesurer? Qui connaît sa limite? Qui connaît sa largeur? Qui même, qui le connaît? Même la terre de nos parents, on ne sait pas où là où ça se limite. On ne connaît même pas les limites. Ce n'est pas sur la terre, sur le monde à toi, ça va limiter. Mais Jésus connaît les limites de la terre.
Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Donnez vos vies à Jésus. Christ appelle ce soir. Quand son fils, il a besoin de toi. Il dit, lorsqu'il te voit comme ça, là où tu es, il n'est pas content. Parce que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas là où il veut que tu sois que tu es. Ce n'est pas là où il veut que tu sois que tu es. Tu as une mauvaise place. Tu as une mauvaise position. Là où tu es mal assis. Tu es mal arrêté. Ce n'est pas chez toi là-bas. Ce n'est pas ta place. Ton Dieu t'appelle ce soir. Il dit de venir à lui. Il dit de donner ta vie. Il dit simplement, il faut tout laisser. Il dit simplement, il faut t'arrêter. Fais une pause. Regarde ta vie. Sans Jésus, regarde ta vie. Et puis, viens maintenant à Jésus. Tu verras qu'il y a une grande différence. Tu verras qu'il y a avant et maintenant, ça fait deux. Il vous tend la main ce soir. Donne ta vie à Jésus. Donne vos vies à Jésus. Donne ta vie à Jésus. L'homme ne peut plus t'apporter. L'homme va te détruire. L'homme va perdre ton temps. La cigarette. Il va perdre ton temps. Poisson. Il va te brûler. Aujourd'hui, tu apprends ça. Demain, tu apprends ça. Chaque jour, c'est une explication. Non, moi-même, ma maman était malade. Non, moi-même, là, j'ai perdu mon enfant. Chaque jour que Dieu fait, il a une explication à te donner. Mais Jésus, quand Jésus dit viens, et quand tu donnes ta vie à Jésus, bien aimé, travail te poursuit. Mariage te poursuit. Chabot te poursuit. Enfantement te poursuit. Commerce te poursuit. En Jésus, tu ne vois même pas. Tu as assis et puis les choses bougent comme ça. Ça bouge comme ça. Ça bouge comme ça. Ça bouge comme ça. Comment tu as, tu ne comprends pas. Tu dis, est-ce que c'est moi seul? Est-ce que je suis seul qui cherche travail? Jésus fait ça. Tu souffres sur moi. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle à la repentance. Il dit de tout te dépouiller. Il dit de tout laisser. Il dit de tout t'en pardonner. Il dit de tout laisser. Tout ce qui te tient à cœur, faut le laisser. Il est plus important que toutes ces choses-là. Il est plus puissant que toutes ces choses-là. Il est plus sain que toutes ces choses-là. Christ dit, faut laisser tout cela pour lui. Christ dit, faut te sacrifier pour lui. Christ dit, faut donner ton cœur véritablement. Christ dit, si tu as une fois entendu parler de lui, si tu as une fois entendu sa voix, si tu as une fois vu sa main est tendue vers toi, c'est de cette main-là. Viens dans ton Dieu, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. La vie que tu mets, ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas le plan qu'il a fait pour toi sur cette terre. Ce n'est pas le plan qu'il a fait pour toi sur cette terre. Toi seul, tu es à l'église. Tu dis, tu vas à l'église. Tu as laissé un gars. Toi seul, tu es à l'église. Tu ne peux pas te regarder. Tu es sur un talent. Tu viens lorsque le Christ a déjà commencé pour te faire remarquer que ta tête en haut, ton épée n'a même pas t'attrapé. Tu es là, tu vas à l'église, mais tu t'en fais là là-bas. Ok. Ok, il va te tuer. Okay. Si tu vas te tuer, tu dis moi, les gars, me regarder. Tu dis moi, il faut qu'on sache que je suis porté au-dessus. Tu dis moi, il faut qu'on sache les pains là. Pas là même là, tu prends le bord là. Et puis tu as fait ça, si là, ils vont voir la marque. Bien aimé, tout est vanité. Tout est vanité. Tu perds ton temps dans ces choses-là. Tu perds ton temps pour les rires. Tu perds ton temps sur les choses de Marc. À lutter dans ce monde. Après les choses du monde. Les choses qui ne t'appartiennent pas. Les choses que tu as laissées demain pour partir. Regardez sur la bête. Lorsque quelqu'un meurt, c'est ceux-mêmes qui savent pas comment ils ont fait pour payer ton bail là. C'est eux qui prennent très vrai là. Toi-même qui es mort, on t'entend ce qui est de la famille là. Et puis là, ils partagent. Parce que tu as payé depuis dans ta jeunesse, ils vont partager ça derrière toi. Ça veut dire que tout est vanité. Tout est vanité. Tu as gagné jusqu'à tes camarades de prix. Donc, toute ta vie à Jésus. Arrête de chasser les choses qui ne sont pas importantes. Arrête de perdre ton temps sur les choses qui ne sont pas importantes de l'éternel. Mais plutôt, toi t'assois, fais une pause et dis-moi, au pas de Jésus, je vais donner ma vie à Jésus. Au pas de Jésus, je vais essayer avec Jésus. Au pas de Jésus, je vais voir là où Jésus va m'amener. Au pas de Jésus, aujourd'hui c'est Jésus. Aujourd'hui c'est seulement. Je ne le laisse pas. Il y a quoi ce que Jésus va faire. Lance ce défi à Dieu ce soir. Et tu verras ce qu'il va faire de ta vie. Il aime les défis. Il adore les défis. Lorsque tu laisses tout tomber, et puis tu dis, me voici, me voici, me voici. De tout ton cœur, tu verras ce qu'il fera de ta vie. Donne ta vie à Jésus. Donne vos vies à Jésus. Tu es en colère. Tu gardes la colère pendant des années. Et demain tu es à l'église, loué, comme il loue là, tu te traînes la terre comme ça, pourtant tu prépares à lever ta soeur pendant des années. Et puis tu vas à l'église. Tu adores qui en fait? Parce que Jésus, c'est un Dieu d'amour. Jésus, c'est un Dieu d'amour. Il n'aime pas la colère. Dieu dit de libérer ton cœur ce soir. Il dit d'enlever la colère qui est en ton cœur. La colère qui te détruit. La colère qui fait que tu n'avances pas. La colère qui fait que tu es limité. La colère qui fait que tout ce que tu touches là, rien ne marche, rien ne bouge. Il veut tout laisser ce soir. Et viens à lui. Il t'appelle à la repentance. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi ce soir. Il dit viens à lui.
Il dit, repends-toi. Enlève la colère en toi. Enlève le mensonge en toi. Revenez à Jésus. Prends tout ton temps à voler. Tu fuis seulement que tu voles. Si tu ne voles pas, tu ne peux pas manger. Si tu ne voles pas, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de voler pour pouvoir manger. Christ appelle ce soir. Christ appelle ce soir. Il dit, il est venu pour ceux qui sont malades, il parle pour ceux qui sont bien pourtant. Il est le médecin des médecins. Il dit, t'es venu, qu'il a besoin de toi. Il dit, de laisser le mensonge. Il dit, faut laisser le vol. Vol, ça ne vient pas de lui. Il dit, viens à lui. Il dit, répands-toi. Car les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Regarde, bien aimé. Regarde comment ce mot la file. Regarde comment le mot la file. Regarde comment le mot la file. Tu as menacé toi. Et regarde. Comment le mois va vite? Est-ce qu'avant le mois de filet comme ça? Faut t'asseoir pour regarder. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus ce soir si tu m'entends. Où que tu sois, où que tu es. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Christ à la porte. Il frappe. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu l'acceptes seulement. Il te tend la main. C'est parce que tu ne le vois pas. C'est parce que tu ne le vois pas. Bien aimé, les anges sont déjà là. Les anges sont sur la terre. Bien aimé, on ne sait pas quand est-ce que la trompette va sonner. Mais si la trompette sonnait, ça ne va pas t'arranger. Si la trompette sonnait, tu es là, tu dis, on dit Jésus revient. D'autant de nos parents, on dit Jésus revient. Nous n'est pas encore venu. Bien aimé, est-ce que tu es prêt? Si Jésus venait maintenant, est-ce que tu es prête? Question. Est-ce que tu es prêt? Question. Tu as pris ça pour ce sujet de moquerie. Tu as pris envie de Jésus revient. Toujours envie de Jésus revient. Il revient quand même. Il n'est qu'à venir maintenant. Mais s'il vient tout de suite, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Ça coule de toi, il tourne depuis là. Ça coule de toi, il ne vient pas. Parce qu'il veut que tu quittes là où tu es. Parce qu'il veut que tu quittes là où tu es. Parce qu'il sait que là où tu es, tu es dans le monde. Il sait que là où tu es, s'il venait, tu vas rester. Ça coule de toi, il tourne. Ça veut toi il tourne, ça veut toi il tourne, ça veut toi il tourne. Donc viens à lui et puis tu vas le voir. Viens à Jésus ce soir et puis tu vas le voir. Jésus revient effectivement, mais ça coule de toi, il a pour ne perdre le temps. Sinon il peut venir maintenant. Mais toi tu ne veux pas encore prêtre. Tu es sa fille bien-aimée. Tu es son fils bien-aimé, mais tu n'es pas à une bonne place. Tu n'es pas là où il veut que tu sois. Tu as une mauvaise position. Tu es mal arrêté, sinon que tu es mal assise, c'est pourquoi il tourne encore. C'est pourquoi il tourne encore. C'est pourquoi il tourne encore. Sinon il peut venir. S'il vient là, tu restes. Pourquoi tu t'en vas? Ça c'est ton problème. Mais ça coule de toi, il est en train de tourner. Ça coule de toi, il tourne en rond. Donc bien aimé, si tu m'entends, là où tu es, donne ta vie à Jésus. Réponds-toi ce soir. Change de vie, bien aimé. Change de vie, bien aimé. Ces choses de ce monde vont passer. Ne te laisse pas séduire par ce monde. Ne te laisse pas séduire par ce monde. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. T'as prié sexuellement pour séduire les garçons. Quand tu passes, tu veux qu'on te regarde. Bien aimé, ta femme va passer. Ta beauté va passer. Ton temps va passer. Tout va passer. Toi-même, tu vas changer. Tout va passer sur toi. Mais donne ta vie à Jésus. C'est Jésus seulement. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu verras. Il va te transformer. Il va te changer. Il va te façonner. Ce que tu cherches, Dieu va te donner. Si c'est mari, tu veux, il va te donner. Réponds-toi ce soir, s'il te plaît. Si tu m'entends, donne ta vie à Jésus. Fuis la colère de Dieu. Fuis la colère de Dieu. Fuis la colère de Dieu, bien-aimé. Fuis la colère de Dieu. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Fuis la colère de Dieu. 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 On ne te parle de Jésus. Donne ta vie à Jésus. On ne t'insulte pas. Donne ta vie à Jésus, c'est pas un jour. Donne ta vie à Jésus, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Donne ta vie à Jésus, c'est pas une insulte. Mais simplement pour sauver ton âme. Sauve ton âme. Parce que quand on meurt, la vie continue. Où ira ton âme si tu mourrais ce soir? Où ira ton âme? Regarde ceux qui sont morts. Regarde nos parents qui sont morts. Est-ce que tu sais là où ils sont partis? Est-ce que tu sais là où ils sont allés se reposer? Est-ce que tu sais là où ils se trouvent actuellement? Bien aimé, ici là, chacun se cherche. Ici, là, chacun se cherche, bien aimé. Faut te chercher d'homme là où tu vis. N'attends pas que tu vas mourir, ils vont prier pour toi. Prier ne peut rien faire, il te dit en même temps. Ils vont prier pour toi. Tu vas donner l'argent. Ils vont prier, c'est zéro. L'argent, ça ne peut pas te faire monter au ciel.
Si toi maintenant tu ne viens pas à Jésus, si toi maintenant tu ne saisis pas la main qui t'est tendue, si toi maintenant tu ne te prie pas, si toi maintenant tu ne laisses pas tout, tu n'abandonnes pas tout, si toi maintenant tu ne dis pas à Jésus, mais voici, quand tu vas mourir, il nous va donner 1 million pour prier pour toi, ou bien 2 millions pour prier pour toi, ça va rien faire. Tu as donné l'argent à ta dos. Tu l'as donné son argent à ta dos. Tu iras en enfer, il n'y a pas ce médicament. Il n'y a même pas raccourci, il n'y a même pas corridor là-bas, mais pour dire qu'il va l'argent pour le nom de Dieu. Direct, tu t'en vas. C'est toi maintenant que tu t'as préparé. C'est toi maintenant que tu t'as donné ta vie à Jésus. C'est où tu vis encore là. Où tu as des gros pires. C'est où tu te réveilles le matin plein sol. Et quand tu te réveilles, tu te tues. Tu dis, ah non, je suis réveillé. C'est toi maintenant que tu vas chercher Jésus. C'est toi maintenant que tu vas venir à Jésus. Où tu as bonne santé. Tu peux attendre lorsque tu vas mourir. Où tu peux attendre lorsque tu vas avoir un accident. C'est toi maintenant. Où tu es pillé dans le sol. Ou quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles une glace. Tu dis, moi-même, Dieu m'a créé. En tout cas, Dieu il m'a créé. Et puis tu es fier de toi. Toi-même, tu es fier de toi. Toi-même, tu t'apprécies. Maintenant, ceux qui sont au droit, maintenant, c'est gâté. C'est toi maintenant, tu dois chercher Jésus. C'est maintenant. Tu dois chercher Jésus. C'est maintenant, tu dois savoir qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est maintenant. C'est aujourd'hui même. C'est là que tu vas chercher. Oui, Jésus n'a même pas donné partout à même là. Il fait quoi au juste? Il y a quoi de lui? Son nom, il y a quoi d'état? Il a quoi d'extraordinaire? Il a quoi de particulier? Qu'est-ce qu'il a? Bien-aimé, c'est lorsque tu as saisi sa main que tu sauras ce qui est dans lui. C'est lorsque tu as venu à Jésus ce soir, c'est là que tu as savoir ce qu'il y a en Jésus. Bien-aimé, si tu ne connais pas le nom de Jésus que tu meurs, tu t'en en enfer. Vérité. Il n'y a pas ce médicament. Répondez. Dans lequel tu dis comme toi, il ne peut pas te bloquer sur la route. Fuyez la mort. Quand tu meurs dans Jésus, c'est que tu t'en vas en enfer. Fuyez la mort. Quand tu meurs dans la grandeur pour toi, tu vas en enfer. Il ne quand tu es peu, ou bien quand tu es peu, ou de ton fils, tu t'en en enfer. Il ne quand tu es fini à Jésus, c'est zéro. Tu vas en enfer. Là-bas, on ne parle pas de finir là, tu as reçu. Là-bas, on ne dit pas que non, à ce film-là, ils ont cotisé. Il n'y a pas ça là-bas. On parle de ton comportement, ta vie. On ne dit pas que, ah, ils ont bien habillé. En tout cas, elle a dit que tout le monde, il n'y a pas ça là-bas. Ta vie. Changer de vie. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas concours de funérailles au ciel. Concours de funérailles au ciel là-bas. On n'a pas ceux qui ont bien fait la funérailles là-bas. C'est dès maintenant que tu vas donner ta vie à Jésus. Répondez-vous. C'est dès maintenant que tu vas te répandre. C'est dès maintenant que tu vas saisir la parole de Dieu. C'est dès maintenant que tu vas voir, dire Jésus, moi je te laisse. S'il te plaît, de la manière que tu goûtes les hommes là, de la manière que tu goûtes les repas, de la manière que tu bois l'eau, de la manière que tu goûtes ta sauce, viens goûter Jésus. Viens goûter Jésus. Viens voir ce qu'il a. Viens voir ce qu'il a en lui. Viens voir ce qu'il a en lui. Viens voir. Si c'est faux, tu te retournes dans le monde. Si c'est faux, tu vas être plus qu'avant, si tu étais sorcière, si tu as dit que tu n'as rien donné, faut dépasser le mot sorcière. Si tu t'étais vendu, si tu es venu que Jésus n'a pas changé ta situation, qu'il n'a rien fait, tu te retournes là même là. Tu es là, elle est petite. Ce que tu as fait là-bas, même là, tu fais affiche maintenant. Tu mets ton numéro en même temps. Parce que Jésus n'a rien fait pour toi. Mais viens voir. Tu te dis de venir voir ce que Jésus a fait dans ta vie. Viens voir Jésus a fait ce que Jésus fait. Viens voir, il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses qui dépassent l'entendement. Il fait des choses qui dépassent l'imagination des êtres humains. Il est le plus intelligent. Il est le médecin des médecins. Si tu es malade, il te guérit. Si tu as un problème, il règle sa distance. Il ne dit pas de faire ni à la soumise. Lui, il ne dit pas que Dieu va faire. Il dit même il est Dieu. Oui. Lorsque tu vas chez un marabout, il te donne des principes. Il te dit, fais ceci, il faut faire cela. Mais, si tu le fais, bien aimé, le marabout là, il meurt. Oui, tu penses sur lui-même là, pour ton médicament, là, pour continuer ton médicament à marcher, puis tu t'en mets là pour le remettre. Parce que tu t'en mets là, c'est un peu bizarre. Il va arriver pour monter là, puis quand on dit, il est mort, tu fais comment? Tu fais comment? Tu arrives à Dieu, tes bras sont dehors. On dit, ma chérie, prends-le, t'as pu continuer. Ton marabout est mort. Mais on dit, Jésus. Si tu as marabout comme Jésus, si tu as fétiché comme Jésus, si tu as papa comme Jésus, si tu as Jésus comme sa maman comme Jésus, si tu as mari comme Jésus, si tu as enfant comme Jésus, si tu as l'héritage comme Jésus, si Jésus est ta tante banquette, si Jésus est ta maison, si Jésus est ta voiture, si Jésus est tout pour toi, si Jésus est sur la terre à laquelle tu marches, je dis les choses changent, les choses bougent comme ça, comme des pions, les choses bougent comme ça, je dis, bénédiction te poursuive, c'est toi-même qui suis.
Répentez-vous. Jésus ne se fatigue jamais de te bénir. Il est mort pour toi une seule fois à la croix. Et il est ressuscité. Il a tout payé. Il n'a rien laissé. Tu es encore en train de faire les sacrifices. Tu es encore en train de faire les médicaments. Tes pains sont distribués dans la cantine afin de donner, afin de faire sacrifice. On dit cela, tu es là-bas. Pourtant, tu sais tout ça pour toi, bien aimé. C'est parce que tu ne le sais pas. Mais je t'informe ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Christ a effacé tes péchés. Il a tout payé. Tu n'as plus à faire sacrifice. Tu n'as plus à donner tes pains. Tu n'as plus à donner tes poulets. Tu n'as plus à donner tes bijoux. Tu n'as plus à donner tes chaussures. Tes pains n'ont qu'à rester là où elles sont. J'ai dit, donne ta vie à Jésus. Jésus a tout payé. Il a tout payé à la croix. Tu t'es dépouillé pour ne rien. Ta vie n'avance pas. Tes copains n'est pas fini, mais rien ne bouge. Tu es malade. On lui t'envoie ça. On lui t'envoie ceci. Tu le fais, mais rien ne va. Viens à Jésus ce soir si tu m'entends. Viens à Jésus. Viens ce soir à Jésus si tu m'entends. Il va te guérir. Il est le médecin des médecins. Amen. Il est celui qui guérit. Vérité. Il est le médecin par excellence. Vérité. Les copains que nous connaissons, eux, ils prescrivent, eux, ils donnent des remèdes. Mais c'est Jésus qui guérit. Il est la guérison lui-même. Vérité. Il est la guérison lui-même. Vérité. Quand Jésus te guérit, ça ne revient plus. Vérité. Repentez-vous. Repentez-vous. Tu souffres pourquoi? Revenez à Jésus. Ton Dieu a mal, est-ce qu'il te fait revenez souffrir? Revenez à Jésus. Tu tournes en rond. Les temps, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu es fatigué, mais tu ne peux pas t'arrêter. Tu es fatigué, mais tu continues de marcher. Tu marches et tu marches. S'il te plaît, arrête un peu. Fais pause. Faut t'arrêter un peu. Arrête un peu. Et regarde où tu dois te diriger. Et regarde dans quelle direction tu t'en vas. Faut pas marcher parce qu'il faut marcher. Faut savoir où tu vis là. C'est Jésus qui peut te conduire. Quand c'est fini. Il y a longtemps tu marches. Saisis la main de Dieu. Depuis ta couche, tu marches. Saisis cette main ce soir. Viens la main, tu ne fais que marcher. Jésus. Tu ne fais que te promener. Revenez à Jésus. Je ne t'ai pas de Dieu ce soir. Revenez à Jésus. Je ne t'ai pas d'une religion ce soir. Je ne t'ai pas de Moussa. Mais je ne t'ai pas de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui a donné sa vie pour toi. Cherche Jésus et viens à lui. Je ne te dis pas de quitter ta religion où tu es. Mais je te parle simplement de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être à l'église et puis ne pas connaître Jésus. Viens le péché. Tu peux partir à l'église et puis ne pas connaître qui est Jésus. Viens le monde. Pourtant tu vas à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Répentez-vous, les temps sont finis. Tu vas à l'église, tu t'assois. Lorsque tu me bannes, tu sors. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit. Même quelqu'un qui va la vie, ma soeur, il a dit pour la dire, moi-même là, c'est moi-même, c'est ce qu'ils ont dit même. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont dit. Mais pourtant tu es allé à l'église. Caméra là t'a filmé aussi. Tu es assis là aussi. Tu as dansé aussi. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ta vie ne peut pas avancer. Parce que tu ne sais pas qui tu suis. Tu ne sais pas où tu marches. Tu ne sais pas où tu es. Tu dois savoir où tu marches. Tu dois savoir qui tu suis. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas où il est. Tu ne sais même pas où il habite. Tu ne sais même pas où il vit. Et puis tu le suis. Mais tu as évolué comment? Tu vas évoluer comment? Il faut savoir qui tu suis. Il faut le connaître. C'est fini. Faut chercher à connaître Jésus avant de le suivre. Il est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Il occupe quelle place dans ta vie? Il est au premier, au deuxième, au troisième. Regarde un peu. Jésus est quoi pour toi? Avant de le suivre, avant de dire tu es Dieu. Quand tu parles de l'église, tu dis moi je suis chrétien, je suis baptisé, confirmé. Moi je suis chrétien, mais je vais à l'église. C'est vrai, tu vas à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Répondez-vous. Parce que c'est Dieu seul qui est saint. Lui met ça sur la tête. Si nous sommes pécheurs. Repentez-vous. Chaque jour, il faut chercher la face de Dieu. Chaque jour, viens à Jésus. Chaque jour, il faut le chercher. Il faut le chercher véritablement, de tout ton cœur. Il faut laisser ces choses de ce monde. Il faut laisser les maquillages. Il faut laisser les bijoux. Pardon, habille-toi décemment. Lorsque tu peux t'abaisser, si quelque chose tombe, tu peux prendre sans problème. Habille-toi décemment. Jésus aime ça. Lorsque ses enfants s'habillent décemment, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que toi, ta maison, salut ta maison, toi tu as fini de balayer ta maison est carrelée, tu as mis la peinture, tu as tout arrangé, et moi je vais venir ramasser porte à porte, ou bien je vais prendre les portes qui sont remplies de poux, et il va promener à ton salon, est-ce que tu seras contente, est-ce que tu vas pas me chasser, est-ce que tu vas pas m'insulter, mais toi tu prends le temps du Saint-Esprit, tu mets tous les nœuds dedans, tu mets faux dessus, tu mets pas mal dessus, dans le feu.
Maintenant, tu peux maintenant abuser maintenant, abuser maintenant. On se passe si c'est sauter, même si c'est monter, tu prends ça maintenant. Le temple du Saint-Esprit. Et toi, tu salues ça. Tu mets les mouches dedans. Tu mets les asticots dedans. Tu mets les serpents dedans. Tu mets les dessins dans le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit voit ça, il est attristé. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Tu dis, tu as la maudite. Répandez-vous. Tu dis, tu as la maudite. Répands-toi ce soir. Donne ta vie à Jésus. Tout ça va ton corps est sacré. Tout ça va ton corps est sacré. Ton corps est sacré. Tu portes les habits Brahmes. C'est quoi on appelle Brahmes? C'est quand j'en habite ça. Tu te mets devant un bon soleil. Tu dis, tu as chaud. Répandez-vous. Tu dis, tu as chaud. On voit tes aisselles. On voit tes seins. On voit tes parties intimes. C'est que ton mari se doit voir tout le quartier. A déjà vu ça. Répandez-vous. Et tu marches à l'église. Toi, tu es sûr quand tu as crié à Dieu, là, ta prière va monter. Jamais. Tu incites les gens à pécher. Tu montes ton corps à les gens qui ne sont pas tes maris. Tu connais la tutelle. Quand l'homme te voit, il dit, est-ce que c'est là, il a reçu son corps, il a déjà péché. Tu portes les habits plaqués, pourtant tu sais que tu es une femme pas possible. Tu sais que ta femme, même que tu attaches toi-même, c'est grave. Mais tu pouvais porter les habits collants, les habits serrés. Là, quand tu penses comme ça, on sait que tu as passé. Quand tu penses que tout le monde se retourne derrière, même ta camarade femme se retourne derrière pour te regarder, c'est dangereux. Réponds-toi. Ta camarade femme se retourne derrière, et puis elle te regarde. C'est dangereux. Répandez-vous. C'est dangereux. Ta camarade qui est femme, elle se retourne. La femme elle a prié d'air, c'est dangereux. Répands-toi. Répands-toi. Sortez de là. Tu incites les gens à pécher. Ton fini. Et tu dis tu as la mode. Tu incites les gens à pécher. Chaque jour que tu fais, il n'y a pas un jour où tu as passé et puis ne pas pécher. Il n'y a pas un jour où tu as passé et puis ne pas te regarder. Une bonne cette fille-là. Il va laper sa bouche. Il va commencer à donner. Mais tu es là toujours, c'est ton style. Quand tu passes, on sait que tu as passé. Quand tu passes, on sait que tu es là. Mais tu es content. Tu dis non, ça c'est mon style. Ça c'est moi. Jusqu'à même tu as un petit nom dans le quartier. Le nom à laquelle on t'appelle. Et tu penses que c'est une bonne depuis la veille. Si tu meurs ce soir. Si tu meurs ce soir, ma soeur. Vraiment, imagine le reste. Les temps sont finis. Tu vas en enfer. L'enfer existe. Parce qu'à cause de toi, plein d'hommes ont péché. L'enfer existe. À cause de toi, plein d'hommes ont péché. L'enfer existe. À cause de toi, plein d'hommes ont péché. Je vous tu es dans le quartier. Pour les hommes mariés spécialement, comme ma mission, c'est pour les hommes mariés. Les femmes, tous les jours et nuits, elles ne font pas se marier. Tu lui dis, c'est pas moi qui a pris de mari, c'est lui-même qui est venu vers moi. Je vous tends la main ce soir. Toi-même, tu es femme. Tu cherches mari. Et puis tu broques mari de ta camarade jusqu'à un de moi. Toi, tu es sûr que tu as un mari. Répands-toi. Toi, tu es sûr que tu as un mari. Toi, tu es prêt à 60 ans, tu ne peux jamais avoir un mari. Oh. Jamais. Vérité. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Répandez-vous. Dieu t'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il faut prendre mari de ta camarade pour le fermer dans la maison. Peut-être de la main. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Toi, bien aimé. Il n'a pas dit qu'il faut emprisonner mari des gens. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas encore dit ça. Il dit. Tu es à lui ce soir. Il te tend la main. Répands-toi. Les temps sont finis. Je dis vous tends la main ce soir. C'est ce qu'il te dit ce soir. Répandez-vous. Donc si tu te reconnais dans ces choses-là, donne ta vie à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Si tu sais que tu ne tends pas la nuit. Répands-toi. Tu es là, tu souffres. Répands-toi. Tu pleures sur ton lit de couche. Répands-toi. Tu dis Seigneur, pour moi est fini. Tu es découragé de la vie. Quand tu reviens la vie, tu n'as plus de courage. Tu n'as plus d'espoir. Jésus t'appelle ce soir. Il définit à lui qu'il est l'espoir. Il dit c'est lui. Il dit c'est lui qui t'a créé. Il dit te connaît là où tu es. Là où tu es caché. Il te connaît. Il connaît ton problème. Il te connaît. Il sait ce que tu fais. Il connaît ta situation. Rien ne lui est impossible. Rien n'est caché. Au Dieu de l'éternel, il te tend la main. Il te définit. Là où tu es caché. Là où tu es. Il dit viens vers lui ce soir. Qu'il a besoin de toi. Jésus est sa fille. Tu es son fils. Viens à lui ce soir, là où tu te trouves, là où tu te trouves, ne te dis pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Christ est l'espoir. S'il n'a plus d'espoir, il n'allait pas se sacrifier à la croix pour toi. S'il se sacrifie à la croix pour toi, c'est qu'il y a de l'espoir. S'il a tout payé pour toi, c'est qu'il y a de l'espoir. S'il a tout livré à la croix, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est à cause de Jésus que tu vis en toi. Sinon, tu ne mérites rien. Il y a des gens qui meurent, même des nouveaux-nés, même des bébés, ils disaient de chaque jour, mais toi tu es là, c'est une grâce. C'est une grâce. Tu n'as rien payé, tu n'as rien donné. Il y a des gens qui sont là à l'hôpital et puis ils meurent. Et puis toi tu n'as rien, tu perds par instant et puis ta migraine disparaît. Oui. C'est une grâce. C'est une grâce. Sinon tu n'es pas fort.
ne peux pas dire que non, non, mon esprit est fait. Ton esprit n'est jamais fort. C'est Jésus qui a la main sur toi. Sinon, tu ne peux rien. C'est la grâce de Dieu qui suit par la grâce de Dieu. Sinon, tu ne peux rien. Tu n'as rien fait même pour mériter cela. Ne dis pas que moi, je suis là-bas, là, je suis fait, personne ne me moque. Hein? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il t'étend la main. C'est par la grâce que tu vis. Donc, ce sont. Saisis cette main et repentez-vous. Repentez-vous, les temps sont finis. Repentez-vous, les temps sont finis. Fuyez la colère de Dieu. Fuyez la colère de Dieu. Fuyez la colère de Dieu. Fuyez la colère de Dieu et revenez à Jésus. Les temps sont finis. Fuyez le péché. Qui sera ton avocat auprès du Père, ton avocat auprès du Père, qui sera ton avocat auprès du Père, qui sera ton avocat auprès du Père. Ton pasteur ne sera pas ton avocat auprès du Père, ton avocat qui sera ton avocat auprès du Père. Auprès du Père, ton prophète ne sera pas ton avocat auprès du Père, ton avocat qui sera ton avocat auprès du Père, qui sera ton avocat auprès du Père. Ton marabout ne sera pas ton avocat auprès du Père, ton avocat qui sera ton avocat auprès du Père, qui sera ton avocat auprès du Père. Ton mari ne sera pas ton avocat auprès du Père, ton avocat qui sera ton avocat auprès du Père, qui sera ton avocat auprès du Père. Ton agent ne sera pas ton avocat auprès du Père, ton avocat qui sera ton avocat auprès du Père, qui sera ton avocat auprès du Père. Tes amis ne seront pas ton avocat auprès du Père, ton avocat qui sera ton avocat auprès du Père, qui sera ton avocat auprès du Père. Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère, que Dieu vous bénisse ce soir. Le peuple de Dario, que Dieu vous bénisse. Le peuple de Gaïa, que Dieu vous bénisse ce soir. Oh, ce soir, nous sommes là encore pour vous interpeller. Pour vous interpeller, pour que vous vous réveillez. Vous prenez conscience. Nous étions aussi comme vous. Mon frère, ma soeur, moi j'étais aussi comme toi. Oui, je ne suis pas né chrétienne. Ni mon père, ni ma mère ne sont né chrétiens. Je ne suis pas descendu du ciel chrétienne. Mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas morte dans mes péchés. Je ne suis pas morte dans l'ignorance. Je ne suis pas morte, oui, dans le feu. Et le Seigneur m'a interpellé, m'a fait grâce. Oui, les gens de ma génération, ceux qui sont nés la même année que moi, beaucoup sont morts, ils n'ont pas connu la vérité. Beaucoup sont morts, ils n'ont pas connu la vérité. Même j'ai des parents qui sont morts sans connaître la vérité. La véritable parole de Dieu, le vrai sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth, par sa parole. Jésus. Alléluia. Je voudrais encore bénir le Seigneur pour ma vie et pour la vie de chacun de vous ici présent. Si tu es encore vivant ce soir, fais rendre gloire à Dieu. Il faut bénir l'éternel Dieu. Il faut sauter de joie. Il faut lui dire merci en ce soir. Parce que tu n'es pas mort encore. Tu n'es pas encore mort dans tes pantalons. Tu n'es pas encore mort dans tes mèches. Tu n'es pas encore mort dans tes fossiles, dans tes maquillages, dans tes feux de teint. Tu n'es pas encore mort dans tes collants, dans tes mensonges, dans la prostitution. Tu n'es pas encore mort ni dans la douleur, dans le fétichisme, dans la convoitise, dans le rancune, dans la vengeance. Tu n'es pas encore mort dans le vol, dans la colère, dans le mensonge. Tu n'es pas encore mort dans ces choses-là. Dis-moi, hey, mon frère, ma soeur, dis merci à Dieu ce soir. Rends-lui toute la gloire. Dis-lui merci encore ce soir pour ta vie. Il te donne encore le temps. Et une chance pour de mettre de l'ordre dans ta vie. Une seconde chance. Il te donne encore du temps
pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. Ce que tu as pris dans le monde, dans le marché, les camarades que tu as copiés, la mode que tu suis, mon frère, ma soeur, dis merci à Dieu de ce que tu es encore vivant et d'apprendre ces choses. Le souffle de vie qui est en toi ce soir. Pourquoi j'ai chanté sur ce cantique? Tu seras ton avocat auprès du Père quand tu mourras. Quand tu vas mourir, bien-aimé, mon frère, ma soeur, qui sera là pour te défendre auprès du Père? Auprès du Père, qui sera là pour te défendre? Ton mari ne sera pas là. Ton fiancé ne sera pas là. Ne sera pas là. Ta camarade ne sera pas là. Ne sera non plus pas là. Ton voisin ne sera pas là. Ne sera pas là. Ton papa ni ta maman ne sera pas là. Ne sera pas là. Ton féticheur ni ton marabout ne sera là. Ne sera pas là. Ni ton boss, celui qui te nourrit, qui loue ta maison ne sera pas là, mon frère, ma soeur. Toi qui es dans la cigarette, dans la drogue, dans la boisson, et quand on te parle, même si tu es chrétien, si tu es chrétien, quand tu es chrétien, ne mettez pas la boue d'oreille, ne mettez pas la mèche, ne portez pas le pantalon, ne portez pas le collant. Et pense que c'est une affaire de grégus. Et d'autres même disent, non, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Mon prophète ne m'a jamais dit ça. Réponds-toi bien aimé. Mon pasteur ne m'a jamais dit ça. Ton pasteur n'est pas dit. Est-ce que c'est le pasteur qui a créé la Bible? Est-ce que c'est ton pasteur qui a créé la parole de Dieu? C'est écrit. Entre toi et ton pasteur, qui a créé? Entre Dieu et ton pasteur, qui a créé qui? Ton pasteur même se cherche. Tu es tu sais ceci, quelle base il a créé son église. Et puis toi tu dis, mon pasteur ne m'a pas dit d'enlever le bout d'oreille, d'enlever le mèche, d'enlever le maquillage, d'enlever le pantalon, d'enlever la collant. Ce n'est pas une affaire de pasteur, ni une affaire d'une église. C'est la parole de Dieu. Si tu crois véritablement au Seigneur Jésus, il est mort à la croix, il a ressuscité le troisième jour pour te justifier, pour ne pas aller en enfer. Il s'est écrit dans sa parole. Il s'est écrit dans sa parole. Même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, la parole de Dieu dit, la femme ne va pas porter les habits des hommes. Les hommes ne vont pas porter les habits des femmes. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de pasteur, ni un prophète, ou une affaire d'église. Mon frère, ma soeur, si tu veux te sauver, tu veux aller au ciel. Écoute la parole de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. C'est ce qui sera ton avocat devant le Père quand tu mourras. C'est la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Écoute bien. Deutéronome 22 à partir du verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Toi, parle encore plus fort. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Quiconque fait ces choses, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un pasteur ou une église qui a inventé cela. C'est la parole de Dieu. Nous tous, nous étions comme ça. En portant pantalon aussi. Je portais collant aussi. Je portais la culotte aussi. Je portais la mini-jupe. Des robes plaquées. Je mettais aussi le maquillage. Je portais ces mèches. Mais la Bible dit que lorsque j'ai connu le Seigneur Jésus, lorsque j'ai connu le Seigneur Jésus, si j'ai accepté le Seigneur Jésus, tu dois croire sa parole. Alléluia. Quand tu acceptes de te mettre ensemble avec un homme, avec une femme, c'est quand l'homme va te dire, tu crois cela et tu le suis jusqu'à chez lui à la maison. Alléluia. Réponds-toi. L'église est une épouse et Jésus est notre mari. Alléluia. Jésus est le mari de l'église, des chrétiens. Lorsque pourquoi Jésus, quand Jésus parle, et personne ne veut écouter, mais quand nos maris parlent, nos copains parlent, nos fiancés parlent, ils vont nous mentir, mais nous les suivons comme des moutons. Ça réfléchit parce que nous les aimons. Réponds-toi bien. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois suivre Jésus comme un mouton, sans discuter. Tu dois suivre Jésus, tu dois suivre sa parole, tu dois écouter sa parole, tu dois écouter sa conseil, tu dois écouter le conseil de Jésus. Mais réponds-toi. Si toi tu ne veux pas écouter le conseil de Jésus, c'est que où Jésus se trouve au paradis,
tu ne vas pas arriver là-bas lorsque tu mourras. Il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Mais pourquoi Jésus a dit dans sa parole? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. C'est parce que nous tous, nous partons les gars, nous refusons de mettre la parole de Jésus en pratique. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Matthieu 7, verset 22. Ma soeur, ma soeur, réveille-toi. Alléluia. Tant que tu es vivant, réveille-toi. Alléluia. Tu peux me dire que ma pensée ne m'a pas dit ça. Oui, mon prophète ne m'a pas dit ça. Si j'en ai plus de là, mon mari va parler. Qui sera ton avocat auprès du Père? Ma soeur, ma soeur. Qui sera ton avocat auprès du Père? Toi qui dis que mon mari va se fâcher. Oui, mon copain, il va plus me marier. Oui, mon pasteur, il ne m'a pas dit ça. Oui, ma maman va parler sur moi. Oui, ma camarade va dire que je vieillis. Je ne suis plus jaloux. Oh, je suis comme ceci. Je suis comme ceci. Réponds-toi bien. Qui sera ton avocat quand tu mourras auprès du Père? Qui sera ton avocat? C'est ce que ce moment je veux que tu mettes dans ta tête. Tu mémorises. Quand je vais mourir, est-ce que mon papa sera là-bas pour me défendre? Non, c'est à cause de moi. Parce que la Bible dit que, oh enfant, obéissez à vos parents. C'est la paix si c'est sorti là. Pas plus que Dieu. Jésus a dit, celui qui va aimer son père, celui qui va aimer sa femme, celui qui va aimer son frère, son enfant, plus que moi, il n'est pas digne de moi, il n'est pas digne de moi. Quand tu mourras, qui sera ton avocat? Réponds-moi. Mon frère, ma soeur. Réponds-toi, bien-aimé. Et puis tu regardes les hommes avant de suivre Jésus, avant de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est Jésus qui a livré tout son corps. Il n'a même pas regardé à sa propre vie. Jésus n'a pas regardé à sa titre, il n'a pas regardé à sa vie, il s'est sacrifié, il a été coué avec de grosses pointes à la croix de Golgotha, il a crié de douleur, il a souffert à cause de toi. Et toi, tu n'es pas prêt pour te sacrifier un peu. C'est quand il va venir amener son église et que tu vas rester. C'est que le diable et le démon vont descendre en personne sur la terre. L'Esprit de Dieu ne sera plus là. Bien-aimé. C'est là que tu vas connaître les douleurs, les douleurs que Jésus a connues à la croix de Golgotha. C'est là que tu vas connaître un peu. Réponds-toi. C'est là que tu vas connaître. Réponds-toi, bien-aimé. C'est là que tu vas connaître. C'est là que, ah, Jésus a souffert. Jésus a trop souffert. Ah, je n'ai pas pu supporter. Mettez mon front. La marque 666. Mettez sur ma main. La marque 666. Sans laquelle, tu ne peux pas voyager. Sans laquelle, tu ne peux pas payer quelque chose à la boutique. Sans laquelle, tu ne peux pas aller au marché. Mettez la main 666 sur mon front. Parce que je ne peux plus supporter. La grande tribulation, la souffrance. Bien-aimé, réponds-toi. C'est à cela que tu verras comment Jésus a souffert à la croix. Bien-aimé, pas maintenant là. C'est maintenant que tu vas chercher à mettre de l'ordre ta vie. Dans ta vie à donner ta vie véritablement à Jésus. Ta vie, bien-aimé. Jésus nous a donné des cheveux, des faux hommes, des faux signes. Jésus nous a donné des signes, des vrais signes. Il nous a donné des vrais angles. Nous voulons mettre les faux angles pour ressembler au diable. C'est le diable qui est dans le feu. Jésus, lui, est dans la vérité. Il lit la parole de Dieu. Jérémie 13, à partir du verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard? C'est ta Dieu te pose. La ligne de Jérémie 13, la Bible dit. Dieu te pose la question, mon frère, ma soeur. Toi qui enlèves, tu prends 500, tu mets 1000 francs, 10 000 pour enlever, pour changer la couleur de ta peau. Il dit, est-ce qu'un animal il peut changer la couleur de sa peau? Un animal, lui, il réfléchit. Et nous, les humains, on ne réfléchit pas. Ça veut dire que les animaux même sont mieux que nous. Bien-aimé. Son maître, mais l'animal, il connaît son maître. Amen. Le chien, il connaît son maître, il connaît son patron. Mais l'homme ne connaît pas son patron, il ne connaît pas son maître. Il ne connaît pas lui qui l'a fabriqué. Il l'a oublié. Il a oublié son créateur. L'homme a oublié Dieu. Bien-aimé, change de vie. Je veux ce soir, encore t'en t'appeler, pour que tu te souviennes de ton créateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie à la croix, qui a versé son sang, qui a tellement souffert pour toi.
à cause des plaisirs de ce monde. Quand tu parles de Jésus, tu as douci ton cœur. À cause des plaisirs de ce monde, qui sera ton avocat lorsque tu mourras? Est-ce que ton marabout, ton féticheur, est-ce que c'est ta copine qui te maquille, qui te tape le coiffure chaque week-end? Est-ce qu'elle sera là pour te défendre? Elle sera ton avocat? Oui, tu parles, tu changes la couleur de ta peau. Est-ce que le vendeur de cette pommade sera là pour te défendre lorsque tu mourras? Mon frère, ma soeur, fuyez la colère. Jésus t'aime. Fuyez la colère à venir. Jésus t'aime. La méchante de vie. Faut changer de comportement. De vie. Il faut changer. Repends-toi. Donne ta vie à Jésus. Repends-toi. Ça fait 10 ans que tu vas aller te baptiser. Accepte la parole de Jésus dans ta vie pour que tu sois transformé. Pour que ton âme soit sauvée. Pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. Jésus veut que ton âme soit sauvée. C'est à cause de cela qu'il est mort à la croix de Golgotha. Ce n'est pas que tu puisses, pas que tu rendes belle. Il t'a déjà créé à son image. Quand tu veux te créer à l'image du diable, répands-toi. Regarde à la parole de Dieu. Ne regarde pas à la parole des hommes. Prends ta Bible. Le pasteur est un homme. Prends ta Bible. Le prophète est un homme. Prends ta Bible. Il a des limites. Lui, si lui ne veut pas aller au paradis, il va nous conduire en enfer, lui et lui avec vous. Il y a des sorciers qui sont au milieu des chrétiens. De qui sont au milieu des hommes de Dieu. De il y a des mystiques de satanistes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Sachez qui vous suivez. Jésus, à la Jésus de l'homme. Jésus à la c'est Jésus qui suit, mais c'est l'homme qui suit. Il a dit malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Celui qui met sa confiance à l'homme. Toi qui vas mettre ta confiance à ton pasteur, malheur à toi. Toi qui mets ta confiance à ton prophète, malheur à toi. Toi qui mets ta confiance à ton mari, malheur à toi. Toi qui mets ta confiance, tu as peur des hommes. Pourquoi on ne peut pas qu'on te critique? Ah, c'est rêvé du comparant. Oh, tu as changé, hein? Oh, tu es devenu comme ça. Hein? Toi qui mets ta confiance à l'homme, tu regardes la parole aux parents des hommes. Malheur à toi. Oh, tu au jour du jugement. Malheur à toi. C'est là que tu verras la colère de Dieu sur ta vie. Attends, Jésus, il est amour. Mais quand la fin des temps va arriver, la trompette va sonner. C'est là où vous verrez la colère de Dieu. Bien aimé, fuyez la colère de Dieu. Repentez-vous. Fuyez la colère à venir. Enlevez vos bouts d'oreilles. Donne ta vie à Jésus. Enlevez vos bagues. Donne ta vie à Jésus. Enlevez vos ceintures de sécurité. Enlevez toutes ces choses. Enlevez les faux cheveux. Arrivez à la maison. Le maquillage. Les habits sexy. Je le maîtrise. Prenez la parole de Dieu. Cherchez Dieu. Regardez dans Esaïe 3. À partir du verset 16. Regardez là-bas comment Dieu a rendu. Chauve ceux qui se mettent dans la mèche, dans la tissage. Lis ces choses. Oh, il faut lire la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Il faut chercher Dieu dans la parole. On n'a pas inventé. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Raisonner comme toi. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Écoutez comme toi aussi. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Cherche Dieu dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. C'est elle qui va te condamner le dernier jour. Le diable, il connaît la parole de Dieu plus que les pasteurs. Plus que les hommes de Dieu, lorsque tu vas mourir, il va mettre la parole de Dieu devant Dieu. Lui, voici ce qui est écrit. Voici ce qu'elle a fait. Et le Seigneur te laisse. Tu vas directement en enfer, c'est un boutillage. C'est un boutillage. Nous tous, nous étions comme vous. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons croire la parole de Dieu, notre époux. Pour marcher avec lui, pour souper avec lui, pour manger avec lui, pour boire avec lui. Et pour pouvoir faire cela, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que le Jésus t'a dit, il faut mettre cela en pratique. Il faut mettre cela en pratique, mon frère et ma soeur. Quand Jésus t'a tellement aimé, il t'a racheté un grand prix à la croix de Golgotha. Il a très souffert pour toi. Et toi, tu as fait de petites persécutions. Quand il y a une petite persécution, naître, tu trembles. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Parce que tu as mis ta confiance à ta pasteur. Mais quand il y a une petite persécution, naître, tu trembles.
et tu as peur. Tu ne veux plus aller à l'église. Ah, pourquoi mon mari va mettre mes bagages en dehors? Oui, le pasteur dit, entretenez-vous bien. Oui, sentez-vous, séduisez vos maris. Le séducteur, c'est le diable. Le tentateur, c'est le diable. Toi qui prends ton temps à séduire ton mari, par le conseil de ton pasteur, en te mettant sexy dans le collant de les pantalons, tu es sous la colère de Dieu. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. C'est le diable qui séduit. C'est le diable qui a séduit Eve dans le jardin de Dieu. C'est le diable qui a séduit le séducteur. Et si tu prends ton temps à séduire ton mari, sous le conseil de pasteur ou de ce qui que ce soit, alors de séduire ton mari par des sexy, par des collants, des pantalons, par des maquillages démoniaques, par des faux cheveux, alors de séduire ton mari. Et nous sommes là, nous avons des maris. Moi j'ai un mari, et cela fait 10 ans, j'ai abandonné le maquillage, j'ai abandonné les mèches, j'ai abandonné le collant, j'ai abandonné les culottes, les pantalons. Cela fait 10 ans aujourd'hui, et mon mari est là, il est fidèle, et les gens se plaignent. Lui, toi, tu ne mets pas maquillage, tu as attaché ton mari à la maison. Ce n'est pas moi qui ai attaché mon mari à la maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'obéissance, c'est les paroles de Dieu qui a attaché mon mari à la maison. Lorsque il y a un problème, le Seigneur Jésus me regarde cela et il me dit d'intercéder pour ma maison. Et à chaque fois j'intercède. Et le plan de l'ennemi est sur mon foyer. Bien aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pour que Jésus prenne la possession de ton fils, de ton foyer. Donne ta vie à Jésus pour que Jésus puisse garder ton mari à la maison. Donne ta vie à Jésus pour que toi-même, oui, Jésus puisse prendre le contrôle de ton activité, de ton projet, de ton commerce, de ta vie, de ta famille, de la vie de tes enfants. Tu vois que la vie de tes enfants est mélangée. La vie de tes enfants est mélangée. Mais cherche à cela, cherche à connaître ce qui se passe véritablement. Cherche à mettre la parole de Dieu en pratique. Fléchis genoux bien aimé. Fléchis genoux et cherche Jésus. Cherche Jésus véritablement. Cherche à mettre de l'ordre dans ta vie. Pour que le Seigneur Jésus puisse prendre de l'ordre. Il puisse mettre de l'ordre dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton mari qui est sous l'air. Dans la vie de ton mari qui découche. C'est Jésus seul. Toi, femme, qui te sous la colère de Dieu. Arrête de te rebeller à la parole de Dieu. Arrête la rébellion dans la parole de Dieu. Et donne ta vie à Jésus véritablement. Et tu verras, Jésus sera ton parade. Si tu veux que Jésus te défende, donne ta vie à Jésus, abandonne le péché. Abandonne les faux cheveux, les faux conseils. Abandonne la colère, les pantalons, les mèches. Abandonne la calomnie. Abandonne le mensonge. Abandonne la colère. Tu es deux femmes. Quel que soit le comportement de ton mari, tu ne dois même pas te rebeller contre la vie, contre ton mari. Tu ne dois même pas t'arrêter pour insulter ton mari. Quand tu fais cela, tu ne dois même pas garder de rancune contre ton mari. Quand tu fais cela, le diable rentre et il détruit ton foyer. Il contrôle le cœur de ton mari. Il le mène en bateau. Il le jette dehors dans la main des femmes, des anciens, des démons. Et ton foyer est détruit. Il met la division. Bien aimé, toi qui t'es dans la colère, abandonne la colère. Toi qui t'es dans la rancune, abandonne la colère. Toi qui t'es dans la rébellion, la désobéissance de ta mari, l'insoumission à ta mari, il faut quitter de là, mon frère, ma soeur. Ma soeur, il faut quitter de là, pour que Jésus puisse faire tes parents. Sois soumise à ton mari, bien aimé. Jésus vous aime. Change de vie. Jésus vous aime. Change de vie. Répandez-vous. 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 Reviens à Jésus. Répandez-vous. Chrétien, revenez à Jésus. Pendant que tu l'attends. Pendant que tu fuis. C'est là que tu vas donner ta vie à Jésus. C'est pas quand tu vas mourir. Ils vont donner de l'argent à un homme de Dieu. Il va prier pour ton corps. Ton âme ira directement en enfer. Parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu avec de l'argent. On ne peut pas corrompre Dieu avec des fausses prières. On ne peut pas corrompre Dieu pour aller au ciel. Si tout le monde n'allait pas parler, Jésus n'allait pas mourir à la croix. Chacun allait faire ce qu'il veut. Le jour qui mène à l'argent, un homme de Dieu prie pour toi, tu allais au paradis. C'est trop facile.
même sur la terre, pour devenir professeur, pour devenir assistant, pour devenir quoi que ce soit, tu dois payer un prix d'abord. Tu dois passer par des épreuves pour aller en apprentissage, pour aller en seconde, pour aller à l'université. Tu dois passer le bac, tu dois passer le PPC, tu dois passer l'apprentissage pour que tu sois admis. C'est la même chose. Pour aller au ciel, il faut payer un prix. Il y a des étapes. Pour aller au ciel, tu dois payer un prix. Enseigne pas comme ça par le ciel. Donne ta vie à Jésus. Enseigne pas comme ça par le ciel parce que tu as accepté Jésus, c'est fini. Non. Et toi aussi, tu refuses d'accepter Jésus. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus maintenant. Donne ta vie à Jésus maintenant. Accepte Jésus maintenant. Pendant que tu es vivant, donne ta vie à Jésus. Cherche Jésus. Pour que ton âme soit sauvée. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il t'aide. Et qu'il t'aide à vraiment le reconnaître comme tel, comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Dieu, comme ta force, ton avis, ta soeur, ton espoir, tout pour toi. Donne ta vie à Jésus. Que Jésus te bénisse. Amen, amen. Bien-aimé, nous bénissons les ténèbres de ta vie ce soir. Et tout ce que nous venons de dire, nous n'avons pas inventé ces choses. Nous te demandons, avec sagesse, arrive à la maison, arrête de discuter, arrête de raisonner, prends ta Bible. Va dans Esaïe 3, à partir du verset 16. Donne la de Pédicère. Femme, va dans Esaïe 3, à partir du verset 16. De Esaïe à Tibéam. À partir du verset 16 jusqu'à 26. Elle est droit là, verset 16, il va te mettre droit. Tu vas lire ces choses. Tu vas me guérir. Et tu vas voir la vérité. C'est bien la vérité.